D'utiliser ce moment très, très particulier où on se rend compte que le modèle dominant qui a eu ses vertus, mais il atteint ses limites et il faudra en tirer des leçons, mais il faut qu'il y ait un après et un avant. Et quand on sera, et je l'espère, le plus vite possible, avec le moins de victimes possible, quand on verra le bout du tunnel, alors à ce moment-là, il faudra se retrouver dans l'unité, mais sur une vision. Voir quel est le monde qui est possible. Tous les mondes ne sont pas possibles, mais cette globalisation, cette mondialisation effrénée, elle est confrontée aujourd'hui à une forme d'absurdité. Voilà, on voit bien que malgré notre technologie, malgré notre intelligence, le mal se propage plus vite que le bien. Mais ça n'est pas une fatalité. Et puis ce modèle que l'on pensait le seul modèle, le modèle universel, le modèle économique de mondialisation, bah peut-être qu'on peut prendre conscience qu'il y a un autre modèle à inventer. Un modèle qui va plutôt favoriser la proximité plutôt que les flux tendus de commerciaux, d'échanges de marchandises et de personnes. Et un modèle surtout dont on sentait bien intimement quelque part que l'on ne le pilotait plus. Et vous savez, je crois que nous recevons, pardon d'expression, mais une sorte d'ultimatum de la nature. Il n'y a que le cinéma qui permet de dissocier tous les éléments, de dissocier le son de l'image, et tous les films se privent de cela. Ma démarche est justement de faire éclater le film, de faire ce que la réalité ne permet pas. Et elle est rentrée, ta copine? En République dominicaine. De quoi? Il y en avait pas. Égypte, oui. Voilà. Mets-le un peu plus large, un peu plus fin. Veil. En même temps, quelle idée, tu sais que ça va bientôt être fermé. Genre, voilà. Trop de personnes qui filment, j'avoue que mon dieu. J'ai loupé. Les Instagrammeurs. Confinés.
Nous ne sommes pas au bout de cette première période de confinement. Nous avions toujours indiqué que nous serions attentifs aux recommandations du comité scientifique qui nous permettra d'éclairer la décision politique qui sera la nôtre. Nous avons, entre guillemets, pris acte de la proposition qui nous était faite, de la recommandation forte qui nous était faite d'avoir un confinement d'au moins 6 semaines, qui leur paraît être une durée minimale, si je comprends bien l'avis qui a été prononcé. Comme le ministre de la Santé a eu l'occasion de le dire, nous considérons que le confinement devra durer le temps qui sera nécessaire. Nous ne sommes qu'au début, mais nous tiendrons. Nous tiendrons parce que nous ne céderons rien. Nous tiendrons parce que nous en avons la force. Vive la République et vive la France.